Cher Benzaï, ça c'est le magasin dans lequel nous n'allons pas aller. Ah, mais on va aller à Trader. Voilà. Qu'on peut voir. Voilà un grand classique. Oui. Julien est avec nous, oui. Master of Loot, il connaît bien Trader. Ouais, très bien. C'est la première boutique que je fais quand je vais à Akiba. Oh. C'est là où il y a les, souvent les. Donc c'est une vraie strat d'y aller. Karaté va-t-il dépenser les derniers deniers qui lui restent? Je sais pas, moi j'ai pas trop envie de me lâcher. J'ai plus trop d'argent. Ouais. Je pense que je vais rester sage. C'est ce qu'on verra d'ici la fin de cette émission. On est parti, Trader. Nous sommes au rayon PS2 de Trader. Je pense que je vais prendre le 2002 UM, donc la, pas la version Tougeki parce qu'elle m'a dégoûté de la vie. c'était beaucoup trop cher. Mais du coup, je me dis que finalement, la normale, celle qui n'est pas équilibrée, pas faite pour le Versus, avec toutes les craquances de l'époque, ça peut être sympa. Non, le rayon PS2 est sympa, il y a pas mal de petites trouvailles pour peu qu'on n'ait pas peur de se casser le dos. Il y a le Ultraman Fighting Revolution. Ça, c'est un jeu de baston. Il est incroyable. On avait dosé ça. Hein. Pour l'instant, je regarde un peu, mais je crois que je vais prendre ça. Hein, parce que l'autre version à 14 000, c'est trop pour mon maigre porte-monnaie. C'est bien tout ce que j'ai de maigre. Là, c'est un peu le rayon hardware hein, de Trader. Tout de suite, on remarque énormément de loose. Encore une fois, c'est assez rare finalement dans les boutiques japonaises aujourd'hui d'avoir beaucoup de machines en boîte. C'est un peu dommage. Par contre, chez Trader, on trouve un objet très intéressant. C'est le XRGB Mini Frame Meister. Pour à peu près 34 000 yens, hein, ce qui fait, on va dire, un petit peu moins de 300 euros. C'est tout simplement un des meilleurs upscaler, double liner, tout ce que vous voulez, à brancher sur votre écran LED, OLED. Le produit a plusieurs entrées. Par exemple, vous avez des classiques RCA, vous avez aussi du S-Video, vous avez même le fameux D-Terminal que vous aviez sur la PlayStation 2 japonaise ou par exemple la GameCube japonaise, ce qui permettait d'avoir un signal en 480p même sur ce type de machine. En tout cas, vous branchez tout ça sur le FrameMaster et ça vous recrache un signal RGB assez hallucinant sur les télés modernes. Donc attention, c'est vraiment pour les initiés, pour s'en servir il suffit pas de l'acheter ici et tout marche direct. Mais il y a énormément de tutos sur le net et au final c'est relativement facile d'utilisation, surtout que vous pouvez mettre le firmware en anglais. Voilà, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est vraiment un super appareil. Hein. Si vous êtes passionné de rétro, que vous n'avez pas de tube cathodique parce que vous n'avez pas la place ou que vous voulez une image super grande, c'est vraiment un must-have. À noter un léger input lag de 21 millisecondes. On peut faire avec, ça peut gêner sur certains jeux de baston, mais grosso modo, ça reste ce qui se fait de mieux pour jouer avec du rétro sur des télés modernes. Alors là, les petits amis, nous sommes dans le rayon Super Famicom et on trouve des grosses raretés Super Famicom, notamment l'exclusivité japonaise Super Back to the Future 2. Donc c'est Retour à le Futur 2, tu me diras, mais les jeux Retour à le Futur 2 auraient toujours été pourris. Toujours de la merde, ouais, pas celui-là. Mais là, c'est un jeu de plateforme. Celui-là, c'est un jeu de plateforme où tu joues un petit Marty très kawaii et où tu te bats contre Biff Tannen, tu lui sautes sur la tête, etc. T'es en overboard 100% du temps. Oh, il est stylé, Zik, je il y a la Zik remixée à l'infini. Par contre, comme c'est une exclusivité japonaise, c'est 21 000 yens. C'est 21 000 yens. 200 euros. C'est presque 200 balles. Oui, c'est un des super jeux que je Turrican. Cherchais. C'est qu'en fait, ouais, c'est Super Turrican, le jeu allemand qui a fait les heures de gloire de l'Amiga, qui est sorti ensuite sur les consoles 16 bits, notamment Mega Drive, Super NES. Et du coup, la version Jap, il y a une artwork totalement pété du slip. Bah, pour lui, il est genre pas cher. Non, elle est 68 000 yens. C'est pas 6500 yens. Il y a un 8. Et un autre truc que je voulais montrer, parce qu'en fait, chez Trader, on trouve aussi pas mal de trucs pour jouer
à des émules. C'est vrai. Et il y a aussi des manettes qui marchent sur les vieilles consoles et sur les nouvelles. Et par exemple, tu vois, là, t'as une sélection avec des skins d'enculés. Hein. Là, désolé pour mon langage, mais quand même, c'est excitant. Vous avez une manette reproduction NES. Et ça marche sur NES Nakamura, et sur PC. Sur NES et sur PC. Et là, stylé. T'as la version Super NES qui marche sur stylé. Super NES et sur PC de Megaman. Et tu as celle qui marche sur Mega Drive et sur PC de Street Fighter 2. Et elles sont toutes craquées. Elles coûtent à peu près 30 balles chacune. Et c'est du bonheur. C'est vrai qu'on voit pas souvent. Alors avant, chez Trader, il y a encore même 2-3 ans, il y avait un énorme rayon junk, c'est-à-dire les choses qui sont pas chères mais complètement à l'arrache, qui même parfois, c'est même pas sûr que ça marche, ça n'a même pas été testé. Bah elles sont pas garanties surtout, il y a écrit dessus. Bah ouais, donc tu sais pas, mais tu peux acheter une boîte vide. Ouais, par exemple, tu peux piffer des jeux, il y a des manettes qui sont pas garanties, qui sont à 926 yens quand même, t'as vu ? Donc c'est vraiment le schnaff total. Et il y a aussi des notices, par exemple, si tu cherches à faire des full sets, et qu'il te manque, enfin, d'avoir un jeu complet et qu'il manque la notice, bah tu peux acheter peut-être la notice là au pif, il y a des notices. Regarde, c'est le Formation Soccer, un des meilleurs jeux de la PC Engine, version Super CD-ROM 2. 47ème. Formation Soccer. Tu vas le piffer 94. Ou pas? Franchement, ça se piffe à ce prix-là. Bon, à 47ème, c'est vrai que je prends pas trop de risques, quelque part. Bah oui, au pire, tu le balances, voilà. Waouh, t'as vu le jeu que c'est? C'est le Démineur. Oh, le Démineur! Ça met 20-0 à Picross, ça, hein! Je pense qu'il faut qu'on le prenne! Bah, ben, à ce prix-là, il faut piffer, oui! Ils te mettent au mur, alors il y a la même chose pour les jeux, mais là, c'est le hardware. Ils te mettent au mur combien ils rachètent telle ou telle machine. Par exemple, un Vectrex, ça veut dire This is the price we pay when buying, ça, c'est le prix qu'ils te le rachètent, d'accord? 50 000 yens le Vectrex, quand même. Mais globalement, c'est des bons prix, hein! Au rachat, dans la plupart des boutiques, et notamment ici, on ne se moque pas de vous. Vu le prix de vente, honnêtement, ça reste des prix corrects de rachat. Oh, alors ici, c'est un des meilleurs rayons PlayStation de tout Akihabara. Ouais, parce qu'en général, ils sont assez bien fournis en tout ce qui est shoot'em up. Et à des prix plus qu'abordables, genre R-Type, 5000 yens, on peut le trouver à 8000 yens ailleurs. X-Multiply, 12000 yens, c'est vraiment pas cher. Gradius, Deluxe Pack, des pareil. Trucs, tu vois. Il y a beaucoup de... Au niveau des shoots, c'est vraiment bien fourni. Ou des petits trucs un petit peu exotiques, comme la réédition PlayStation 1 de Chrono Trigger à 860 yens, c'est rien du tout, avec les fameuses cinématiques qui avaient été rajoutées. Voilà. Alors par contre, là, on a par exemple tout de suite des trucs qui valent très très cher en US ou en PAL, c'est les Rockman. Regarde, les Rockman X à 25 balles. Rockman X3 à 35 balles. Vous avez un des plus grands classiques de la PlayStation, Xenogears, à 880 yens avec la spin card. Et ouais, ça, non, là, c'est absolu, la gratuitance. Taille Concerto, très très bon jeu, dont il y a eu la suite, il y a eu la suite sur DS. Solato Robo, exactement. Et le petit Strider 1 et 2, très très bon jeu. Conversion de jeu d'arcade. Enfin, il y a la vraie conversion du 1, plus le 2, qui est une tuerie absolue, en 2.52, vraiment. Si tu fais de la PlayStation, c'est un jeu acheté absolument. Ouais, ici, c'est bien. On est bien pour la PlayStation. Ah ben voilà, le fabuleux coffret collector de Valkyrie Profile, pareil, c'est un jeu exceptionnel. Il y a quoi dans ce coffret? Je crois qu'il y a t-shirt, artbook, jeu et il y a CD audio, il me semble. Oh. Comme tous les Capcom, c'est recherché. C'est le Street Fighter X 2 plus. Voilà. Qu'est-ce qu'il en pense, Karaté, de 2X plus Alpha? 20 euros, tonton, t'achètes ça? Bah, je l'ai déjà. Ah, il l'a déjà. Respecte-moi. Je respecte Sinon, cet homme. Sinon, il aura acheté. Et j'ai l'impression que certains se sont fait siphonner le portefeuille. Je fais voler ma vie. Alors tu as été friable comme Benzaï. J'ai dépensé l'argent que je n'avais pas. Ça va, il y a Benzaï qui me fait la moitié du prix. Donc le Natsuki Crisis Battle, 1000 yens en boîte, c'est honnête. Voilà, parce qu'en fait, en tant que gardien du Versus, comme on ne connaissait pas ce jeu-là, je lui ai dit, moi je te donne 1000 balles pour que tu m'en parles. Voilà, j'ai pris la version PlayStation qui est la meilleure version de la série de Burning Fest. C'est la version play la meilleure. C'est la version final. Finale la mieux. Après, de la Super Famicom, le Power Instinct que j'avais pas. Ah. Donc ça, c'est toujours Power chez Instinct. Les sprites sont énormes. Bon, pour 10 balles. Et sur les conseils de Juju,
Le Godzilla. Voilà. Le Godzilla qui... Le second épisode. Bah, il est magnifique en Versus. Hein. Ouais. Le Daikessen, ouais, il est génial. En 12 balles, très très grand jeu. Ouais, bah oui. Ah oui, non, j'ai pris la version... Patugeki. La version Patugeki. Finalement, t'as craqué. La version Patulacci. Patulacci. Je vous présente le Front Mission John Hazard pour la modique somme de 880 yens. Qui n'est pas rare du tout. C'est un très très bon jeu de grande qualité avec une magnifique jaquette en paysage. Et comme c'est un running gun, vous n'avez pas besoin de parler japonais. Je sais pas. Pour moins de 7 euros, j'ai le Ninku déjà, qui est un excellent jeu de baston. Ah, non, tu ne savais pas ce que c'était avant de l'acheter. Si, je sais, avec un perso en short sur la jaquette. Et à 172 yens, j'ajoute Gaybokers, un jeu en Versus, un jeu 3D de baston avec plein de petits robots. Ouais, c'est un jeu de tap, c'est un genre de je sais pas, de virtual round rigolo avec plein de persos. C'est Rockman 3, Megaman 3, un de mes jeux préférés de l'histoire, dont les musiques sont éternelles. Il n'y a pas de boîte. Allez, où la boîte? À ce prix-là, en boîte, il a 5 millions. Ouais, mais Julien, il ne pardonnera pas ça. Julien, il va. Regarde la tête de Julien. Regarde l'arbitre. Regarde cette. Ben là, je crois que pour une fois, c'est Guillaume qui a gagné. Ah bon? Parce que la boîte est nickel. Avec ce jeu qu'on trouve partout. Oui, mais la boîte est bien blanche, elle n'est pas tamponnée. Regarde, elle a un super état. Et quand même, le jeu est magnifique. Et je veux dire, entre ça et Ninku, je préfère quand même jouer à Gun Hazard. Bah ça, c'est parce que t'as pas joué à Gaybokers. Non, j'ai pas. Je le connais personne pas. Personne n'y a joué. Voilà, un jeu qu'il connaît pas. Ça se trouve, c'est le meilleur. Ouais, trouve, il est peut-être très bon, t'as raison. Guillaume, grand vainqueur de cette boutique. Je suis pas convaincu. Hein. Bon, alors voilà les amis, Trader, c'est terminé. On a pas mal looté, mine de rien, donc ce serait un peu hypocrite de mettre une sale note. Personnellement, je veux lui mettre un bon gros 8 sur 10 parce que les prix sont bien, il n'y a pas d'arnaque, l'état des jeux est vraiment magnifique. J'ai envie de mettre une bonne note, mais je leur ai donné trop d'argent. Mais c'est parce que c'était bien que tu leur as donné trop d'argent. Bah oui, mais du coup, je suis vénère. C'était vraiment une de mes boutiques préférées hein, sur Akihabara. Mais ils ont de moins en moins de choses. Et les prix, même à Trader, ont commencé à gonfler. Les prix que vous voyez affichés sont hors taxe et vous ne pouvez pas récupérer la TVA. Faites attention à ça parce que ça permet peut-être de rééquilibrer les prix par rapport aux autres magasins. Maintenant, pour beaucoup de produits, ça reste quand même un très très bon magasin. Donc, je reste sur un bon vieux 7 sur 10. Le gros avantage de Trader par rapport aux autres boutiques, c'est les jeux CD. PlayStation, PS2, c'est eux qui ont le meilleur choix et les meilleurs prix. Ça y en a. D'accord, ok. Ça a l'air assez propre, mais bon, je sais pas, peut-être le CD est passé au micro-ondes. Si vous savez pas comment tuer un CD sans que ça se voit, vous le mettez genre 2 ou 3 secondes au micro-ondes, ça le tue. Ça le tue, et après tu peux le rendre à ton pote qui te l'a prêté. Oui, mais regarde. Et il verra aucune rayure, mais il marchera pas. 80.